Quoi de neuf, docteur? La moitié de 18. J'ai un vieux prof de tennis qui me disait ça. Quoi de neuf, vous l'avez, l'économiste ou pas? Quoi de neuf, la moitié de 18. Non, je crois que personne n'a compris. Bon, je te rappelle. Bye. Bonsoir, si je vous dis au secours, au EAU, ici, debout dans le lit de cette rivière à sec, vous vous sentez peut-être concerné parce que dans certaines régions de l'eau, bah, y en a plus. S'approvisionner en eau est devenu un combat quotidien pour Amandine, qui part de nouveau remplir ses dizaines de bouteilles chez sa cousine, qui, elle, a encore de l'eau qui coule dans ses robinets. Confrontée à sa plus grande sécheresse depuis 26 ans, Mayotte, qui dépend des eaux pluviales pour ses besoins, est presque à sec. Un strict rationnement a été mis en place par les autorités locales, avec un accès à l'eau potable un jour sur trois seulement dans le meilleur des cas. Nestlé a l'autorisation de prélever plus de 3 millions de mètres cubes par an dans les nappes. À cela s'ajoutent les 2 millions de mètres cubes d'eau consommés chaque année par les habitants, les agriculteurs et les entreprises du canton. On peut qu'alerter sur une situation qu'on perçoit comme une majoration de l'état de sécheresse par des prélèvements excédentaires de Nestlé.